problème. Mais je pense que durant le temps qu'on a eu à faire avec l'ISO, ces 2 semaines, on s'est bien préparé conséquemment et pour pouvoir élever le défi face à notre adversaire du jour. Et je pense que le match est dimanche, samedi. Voilà, donc je pense que dans l'ensemble, on s'est bien préparé pour pouvoir faire un grand match. Alors que Sambo est sur le banc, et je pense que le foot n'a jamais. C'est vrai, je suis pas sur le banc, mais je suis toujours proche du banc, puisque tout le travail qui a été fait, c'est moi. Et le projet du jeu, c'est moi qui l'ai fait. Le recrutement, c'est moi qui l'ai fait. Donc je pense que, en étant sur le banc, en n'étant pas sur le banc, et c'est ma victoire. Voilà, donc. Et les matchs aussi que j'ai eu à être sur le banc, ça n'a pas donné, et les victoires n'ont pas donné. Et ça veut pas dire que je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et ce n'est pas ma première fois de conduire une équipe en première division. Voilà. J'ai même fait 6 victoires d'affilée en ce championnat. Donc je pense que c'est des faits qui arrivent. Voilà, il faut les prendre comme ça. Les jours aussi où les victoires vont commencer, peut-être que vous allez dire autrement. C'est à nous de travailler pour pouvoir amener cet engouement-là et cette envie à tout le monde. Et je pense que si les gens réellement arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes, on peut les ramener réellement, comme on appelle ça, on peut ramener les gens à venir massivement, à supporter. Et si je prends aussi aujourd'hui, il n'y a que c'est des jeunes joueurs, et au niveau du spectacle aussi, on arrive à assurer. Donc, il n'est pas question aussi que les gens vivent le stade et que les gens ne vivent plus des fois à soi. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est à nous de travailler réellement pour amener voilà, les supporters. Et on a besoin aussi des journalistes pour pouvoir amener plus d'engouement au terrain. Peut-être que ça peut être un déclic même pour ce match-là. Et le travail-là ne doit pas être seulement que. Il faut aider la soirée, ça doit être réellement un problème, c'est-à-dire un problème d'ensemble. Voilà, samedi maintenant, c'est nous, on va gérer le match à gérer. Et nous sommes en train de préparer ce match-là avec beaucoup plus de sérieux, parce qu'il faut asseoir. Moi, je pense qu'il faut asseoir pour ne pas l'aborder comme tous les autres matchs. C'est bien vrai que c'est le face au foot, mais je pense que on doit mieux préparer ce match et ne pas le prendre comme les autres matchs. C'est bien vrai, il y a plusieurs aspects qui rentrent là-dedans. Peut-être il y aura trop de pression, peut-être il y aura moins de pression. C'est à nous maintenant de savoir gérer ce match. Donc on ne peut pas le prendre comme les autres matchs. Après avoir joué de nombreuses fois en tant que joueur, Hamza se retrouve sur le banc. Est-ce que l'expérience dernière en tant que joueur va servir samedi prochain? Je pense que ça va beaucoup servir parce que depuis la semaine, depuis le lundi matin, j'ai commencé à parler avec les joueurs. Il y a Coach Bra qui est là, il y a Honoré qui est là, on a parlé avec les joueurs pour concernant ce match. Donc, on est en train de se mettre au sérieux pour pouvoir jouer ce match.